Christina Sarpa pour le studio Polyphysics à Montréal et la formation Ergolapis. Aujourd'hui, on va regarder un exercice pour travailler le grand dorsal et le dos avec une combinaison et activation quadriceps. Cet exercice-là peut être exécuté avec seulement une poulie sur le Total Gym. Moi, aujourd'hui, je vais vous démontrer comment l'exécuter, comment le faire à deux. Alors, étape 1, on trouve la résistance pour le client, comme dans, on l'a démontré dans notre première série d'évaluation musculaire. Étape 2, je veux ouvrir la planche et la sécuriser. Là, elle est sécure, elle bougera moins. Étape 2, je me couche en position demi-fœtus. Alors, ma tête est bien sécurisée. Mon ventre est quand même rentré. Et aussi, le bassin a une position qu'on appelle en anglais « seeker », une position « C » puisque le ventre nourri est vers la colonne et les fessiers sont légèrement roulés. Le processus est de faire une retraction et tirer où on active le biceps et aussi le grand dorsal derrière les oreilles, mais en gardant quand même le coude à l'angle de 30 degrés. Et on relâche doucement. Contracte et active. Ici, si on voudrait travailler la mobilité du deltoïde et de l'équateur rotateur, on fait une position avant, comme si on ferait un chin-up. On ouvre la cage thoracique et l'épaule et on relâche. Alors, par en avant, arrière, doucement, on relâche la rotation. Le processus peut être fait aussi à l'envers si on veut plus travailler la mobilité de l'évanouille. Arrière, par en avant, relâche doucement. Et arrière, avant et relâche. Ceci est considéré un mouvement intermédiaire. Donc, s'il vous plaît, faites attention à la catégorie qui est structurelle pour vos clients de bien l'exécuter au début avec une poulie, une prise et après ça progresser à deux. Le mouvement peut être fait jusqu'à maximum niveau 8. Après ça, il y a d'autres mouvements et d'autres combinaisons qu'on peut faire. Alors, ceci a été un vidéo de formation pour les instructeurs de thérapie du mouvement de Ergolatex. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web. Au revoir et merci!